Bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Lily, tu dis bonjour le vlog. Bon, on peut parler parce que je pense qu'elle comprend pas où est-ce qu'on va. Micro. Micro. Yes. Ouais. Bébé. Ouais, on est dans la voiture. Et depuis tout à l'heure, tu chantes. On va voir Kev. Ah. Ouais, on va y voir Kevin. Alors donc, Kevin. Non, Kevin. Ouais. On va en vacances. Non, on va pas voir Kevin, on va en vacances, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Tu veux qu'on va en vacances? En vacances, micro. Ouais. Et... Tu veux que demain on part en vacances? Ok. Ok, demain on part en vacances. Si t'as envie, alors je suis ok. Où t'étais? Ma maman elle allait mettre l'album et puis papa il a dit comment c'est un vlog. Ah oui, un petit vlog, souvenir pour Lily. Ouais. Oui, ça se trouve il sera pas long du tout. Hein, mais... peut-être pas long. Alors on vous explique un petit peu. Lily elle veut peut-être pas comment je dis, mais ça. Donc on vous explique un petit peu la soirée. Là en fait on s'en va chez un copain qu'on a en commun avec Kevin. Et du coup on va manger un barbecue avant le concert de ce soir à Mazingarbe. Du coup voilà, tout simplement on va passer un petit moment ensemble, tous ensemble. Et ça fait bien plaisir. Et on va pouvoir rigoler, tourner peut-être pourquoi pas des petits TikTok. Et puis voilà, et après bah, on se retrouve au concert. Je pense que ça va, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Lily n'est pas au courant qu'on va voir Kev. Même si je le dis comme ça, je me dis que potentiellement elle va pas tilter. Le soleil dans les yeux. Ah. Comédienne un peu. Papa, en plus, papa, il a les trucs dans le coffre. Bah oui, mais à chaque fois, il les enlève. À chaque fois, il les enlève. Donc, on vous reprend plus tard. La douleur, laisse-moi la hôter. Non, ne pars pas. S'il te plaît, reviens-moi. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je me perds tout le monde, mais pas. Ah, elle est charmée, ça y est. Bon, on se retrouve de nouveau en face cam, les copains. Face cam, la qualité a commencé à être un peu dégueu, mais c'est toujours comme ça quand c'est en face cam et ouais. Le soleil commence à retomber. Donc là, on vous explique. On vous a mis la petite vidéo juste avant. C'est la seule vidéo qu'on a fait de la soirée parce que, comme d'habitude, on avait juste envie de profiter. En fait, on a beaucoup parlé, on a rigolé, on a mangé. Parce que quand c'est comme ça, on profite de l'instant présent, on pose les téléphones et ça fait un bien fou, les copains, je vous jure. Et là, du coup, on est en train de suivre Kevin et on va du coup à Mazingarbe. On va aller chanter. Regardez ce beau gosse. Oui. Alors, vas-y. Les. Les pains au chocolat. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il est du sud-ouest et il dit chocolatine. Chocolatine, team chocolatine. Team chocolatine. Bien sûr. Et tout à l'heure, j'ai réussi à lui faire dire j'aime les pains au chocolat. Tu vas tricher pour me faire dire. J'essaie de capter le truc, ok. Ok. Les, cola, j'aime, eau, chaud, pain. Ah voilà. Pour un mec du sud, c'était pas très dur à dire, ça va. Non, ça va, c'est dans mes cordes. C'est cool, on fera le montage après. J'aime, les, pain, eau, chaud, cola. C'est pas bien. Ouais, petit. Ah, c'est vrai, c'est nous, c'est petit pain. C'est pas. Mais c'est pas tout, c'est encore moins que pain au chocolat. Ça va ? Attention, l'exclusivité. Le vlog il sort dans une semaine. Alors, il n'y aura plus d'exclus. Attention. Voilà. Ce qu'est un showcase. Précise. Un showcase. Voilà. La liste. Oh, l'exclu. L'exclu de où ? À vendre.
t'as quand même des milliers de meufs qui rêveraient de faire un bisou à Kev. Et elle, elle lui dit non, quoi. Ah, mais pas de bisou. Qui? Je vous serai gré de bien vouloir laisser toute négativité et problème à l'extérieur de l'enceinte de l'avion. Durant ce vol, il est autorisé de crier. Oh. J'ai dit, il est autorisé de crier. Il est également autorisé de taper des mains. De taper des pieds. Je vous souhaite un bon vol et une bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez tourné 777 en vacances pour pas péter Tahiti. Je vous demanderai de bien vouloir relever votre cachet blanc. Je suis le courant enfilmé. Bienvenue à bord. Un jour j'irai à Tahiti. Un jour j'irai à Tahiti. Un jour j'irai à Tahiti. Kev, t'es encore sur scène. Ouais, comment on dit les gens du... Et en fait, on est parti. Parce que du coup, nous, les voitures, elles sont garées dans la cour de l'école. Et comme ça... Ah, qui, Kev, en fait, qui ne saute pas n'est pas un dès qu'il a fini, il part directement, en fait. Alors, et du coup, il nous rejoint. Et comme ça, ça me permet de le voir. Donc, le tour le bloc. On est dans la voiture, du retour. Liliana, elle a pleuré quand on est parti. Ouais. Parce que, bah, elle disait Kev. Voilà. Parce que du coup, comme on vous a déjà expliqué, juste après le concert, ce qui se passe, c'est que pour éviter d'être dans les embouteillages, on file direct. Parce que là, par exemple, le concert de Mazingarbe, il y avait 15 000 personnes. Et du coup, tu te retrouves dans une petite ville à 15 000 à repartir. Et souvent, donc, c'est que des rues en sens unique et tout. Donc, ouais. Donc Kev, il fait son rappel. Et puis là, on file, on se fait tous des bisous. Bisous. Et pff, on est tous partis comme ça. Les gens peuvent rentrer chez eux et nous on est déjà passé. Donc voilà, on a passé une super, super moment. Ouais. On a passé un bon moment chez Guillaume, ouais. On a mangé un bon barbecue, on a pu voir tout le monde. Enfin voilà. Et, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Encore, c'était troisième fois. Ouais. Et attention. Toujours aussi incroyable pour nous. On sait déjà que peut-être on en fera un quatrième en novembre. On peut pas le dire maintenant, mais. Apparemment, ça va être un truc de ouf. Ça va être une scène multi-artiste et on tout. Verra. Donc, voilà, c'est trop cool, on est trop contents. Et nous, du moment qu'on voit Kev, on est contents. Et Flo, d'ailleurs, à chaque fois, on est trop contents de les voir. Donc, voilà. C'est nos copains maintenant, en fait. Hein. Ah bah oui.
Bon, bah, tu clôtures, tu parles ou il n'y a que moi qui parle? Bah, tu parlais, je... bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle sera courte, mais bon. C'est pas grave. Je voulais garder un souvenir de ce moment-là quand même. Oui, c'est même si on n'a pas trop sorti le téléphone, mais on voulait quand même garder un moment, enfin un souvenir. Et... le but, voilà, c'était tout simplement de garder une trace pour Lily. Voilà. Ouais, voilà. Vous savez que quand on fait les vidéos, les vlogs, tout ça, on le fait parce que on partage avec vous, mais c'est en grande partie aussi pour laisser une trace de ouf à Lily. Donc voilà. Et si tu regardes cette vidéo, là, Lily, dans quelques années, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Oh, il y a un monsieur qui s'est fait flasher. Souris, mon cœur, je vais rouler vite, attention. Non. Et voilà, c'est avant tout pour notre petite chérie qui est derrière et qui est comme son bibi et dodo depuis tout à l'heure. On est bientôt à la maison normalement. Ah, mon bébé. Ah, d'accord. Lily, qui c'est demain qui part en vacances? Oui, parce qu'on vous explique ou pas, là il est 23h42, nous rentrons, nous nous couchons et on se lève à 5h parce que du coup on part en vacances. Voilà. Ça va être sportif, effectivement. Bon, bah sur ce, on vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous si jamais vous voulez suivre la suite de nos aventures. Et nous, on se dit à très vite. Je sais pas encore. Okay. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Oh, comment t'es jolie, mon cœur. T'es prête pour aller écouter la musique? Regarde, on va montrer comment il y a du monde. Regardez les copains. C'est un truc de fou, il y a un monde dingue. Et du coup ils font signe.